¿Qué tal, mijito? ¿Qué cuentas? C'est un décrochage parce que on a découvert cette magnifique galerie qui est tenue par Denis, qui est quelque part dehors. Denis, voilà. Voilà. On vous appelle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, déjà, avant le discours, il va falloir qu'après le défilé, chacun doit avoir un verre pour clôturer en beauté. Voilà, je tenais déjà à remercier Denis de nous accueillir dans cette magnifique galerie. Voilà, Denis qui est juste là, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Miguel. Hein. Miguel qui est un artiste d'origine colombienne. Viens ici, Miguel. Viens, voilà. Bonjour, Miguel. Bonjour, ma belle. Si tu ne bouges pas. Et donc, on a voulu comme ça marquer la fin de son expo, de cette première expo ici chez Denis. Voilà, on a voulu faire un petit pot d'amitié en rassemblant nos amis, des personnes qui nous tiennent à cœur. Voilà, et pour faire vraiment découvrir cet artiste, voilà, qui est vraiment quelqu'un que j'ai découvert récemment, qui fait vraiment un super travail. Un travail aussi avec une vraie démarche artistique et spirituel derrière, voilà. Et on vous en dira un peu plus. Donc je tenais déjà à tous vous remercier, à remercier Denis de nous accueillir, et surtout Marie qui chante merveilleusement bien, qui est la fille à la harpe. Voilà. Tu peux dire un petit mot, Marie? Moi je m'appelle Marie Nico et je suis chanteuse lyrique et j'ai repris la harpe. Voilà, j'étais harpiste pendant des années et depuis assez peu de temps, je reprends tous mes projets à la harpe. Voilà, j'ai uni mon amour de la harpe et mon amour du chant. Et je reprends tous les styles, donc du chant lyrique, mais aussi des musiques actuelles. Et j'ai aussi un projet, c'est que je voyage en fait, et j'emmène ma harpe, alors pas celle-là, mais une harpe de voyage, dans tous les lieux magiques du monde. Donc là, j'étais sur un volcan, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, j'étais à La Réunion, donc j'ai joué sur le volcan. Et je fais des vidéos comme ça là-dessus. Voilà. Donc c'est mon projet qui démarre et j'adore jouer pour les lieux de beauté, comme ici. Enfin, moi, je suis aussi au paradis là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous soutenir. Donc je vais vous laisser avec Miguel qui va nous dire un petit mot sur son travail. Et voilà. Bonjour Miguel. Bonjour. Voilà. Et bon, je voulais vous présenter d'abord cette toile-là. Voilà, si on peut le voir. C'est un tableau qui s'appelle Victoire. Je pensais fort à une copine dans laquelle on avait fait du bénévolat ensemble. Et ça me tient à cœur, c'est un tableau joyeux. C'est aussi pensé du maquis corse, que j'aime beaucoup. Et dans lequel, voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous le présenter. Après, je remercie Angie et Marie d'être là parmi nous, en ce closing de l'Expo Les Coins de la Colombie. Et j'ai le plaisir aussi de présenter deux toiles derrière. L'éclat guerrière et aussi les cœurs de vie. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'être parmi vous et je suis content vraiment de pouvoir, au petit comité, présenter cette expo. Et puis Angie, surtout avec son travail, son beau travail rouge, sa gamme rouge, qui est magnifique.
dans lequel je vous présenter aussi également ce soir ma gamme rouge de peinture. Donc voilà, mais écoutez, ravi d'être parmi vous. Et puis je te passe la parole, Angie. Ok, merci beaucoup Miguel, merci beaucoup. Dans le coin de la Colombie, on est vraiment aujourd'hui dans parce que c'est aussi la semaine de l'Amérique latine. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc, il a vraiment nommé son expo le coin de la Colombie, raison pour laquelle ils sont là. Et depuis quelques années, moi j'ai travaillé pendant longtemps avec une dame très connue du milieu du show business et de la culture qui s'appelle Isabelle Wells, qui avait le projet Red Défilé avec qui j'ai collaboré pendant longtemps. Et comme c'était un projet qui m'était né à cœur, donc aujourd'hui on va vous faire une présentation écran du projet Gamme Rouge, qui est un projet de développement et surtout un projet de soutien d'une cause médicale, on va dire comme ça, parce que c'est soutenir des maladies cardiovasculaires, voilà, qui sont certaines maladies qui sont vraiment méconnues dans certains pays, voilà. Et donc, je suis vraiment en train de travailler cette collection en partenariat avec des artistes, donc pour laquelle je voulais m'associer à Miguel pour cette petite présentation. Donc Miguel a fait un travail extraordinaire sur des tableaux avec des tonalités rouges qui vont vous être présentés tout à l'heure, dans deux minutes bien sûr, par deux de nos mannequins maison, Chloé et Fallon. Et bien évidemment, nous allons défiler sur la merveilleuse musique de Marie. Donc je vous laisse découvrir cette toile-là. Yes.
Bye.